À quelle pression résiste un poisson nageant à 100 mètres de profondeur dans la mer si la masse volumique de l'eau de mer est de 1025 kg par mètre au cube? Les données sont la hauteur vaut 100 mètres et la masse volumique de l'eau de mer est de 1025 kg par mètre au cube. Une pression hydrostatique est souvent exprimée en bar. Donc, nous cherchons la pression hydrostatique exprimée en bar. Pour la trouver, nous nous servons de cette formule-là. La pression hydrostatique est égale à la masse volumique fois le facteur de poids fois la hauteur, où ce facteur G vaut 9,81 newtons par kilogramme. Donc, en appliquant cette formule, nous obtenons comme pression ce produit, c'est-à-dire 1 525 pascal. Et comme 100 000 pascal valent 1 bar, c'est que cette pression vaut à peu près 10 bar. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est la pression hydrostatique vaut à peu près 10 bar.